Salut à toi Yamak, Tracer Freerunner, c'est François et aujourd'hui on revient sur un mouvement que tu as déjà vu avec Nabil mais sur lequel tu nous as demandé plus de détails, c'est le demi-tour cavalier. Très bien, alors pour ce mouvement là, il va te falloir maîtriser les bases du demi-tour ou du semi-tour. Tu n'es même pas obligé de savoir faire le demi-tour complètement pour y arriver. Je t'explique tout de suite. Alors le semi-tour, c'est quoi? C'est la moitié d'un demi-tour. Je te montre tout de suite. Si tu as ça, tu as les bases pour faire le demi-tour cavalier. Ce qu'on va faire, alors moi je m'entraîne sur une barre ici, mais tu peux le faire, tu peux t'entraîner d'abord sur un muret, tu seras sûrement plus à l'aise que sur une barre. Donc je pars comme pour un demi-tour. Et je vais faire mon semi-tour en posant juste le pied droit à la fin. Je te montre. Juste le pied droit à la fin. Et là, on revient sur les 5 moves de la grand-mère qu'on a vu avec moi précédemment. Donc j'ai mon pied droit ici. Hop. J'ai la jambe tendue comme si j'étais en train de passer chat. J'ai juste à m'asseoir pour finir mon cavalier. Donc au ralenti ce que ça peut donner. Je m'arrête et je finis mon cavalier avec un peu plus de vitesse. Et voilà. Donc maintenant, dès que tu es à l'aise sur ce mouvement-là, tu peux enlever ton pied. Moi, des fois, j'ai la flemme et je mets le pied. Mais tu peux l'enlever et ça rend un petit peu plus dynamique. Une clé aussi pour bien réussir ton cavalier, c'est quand tu arrives, faut que tu aies le corps légèrement en arrière pour pouvoir lancer le cavalier et finir. À la différence du demi-tour où on te demande de rester le plus à l'extérieur possible, de ne pas rentrer dans l'obstacle, là, sur ton début de semi-tour, du coup, tu vas rentrer un peu plus pour pouvoir enchaîner ton cavalier à la suite. Ok, j'espère que ce mouvement t'a plu. N'hésite pas, je te l'ai dit, à d'abord l'entraîner sur un petit muret plutôt qu'une barre et après te diriger vers une barre. Souviens-toi, c'est juste le semi-tour plus la fin de passé chat et le cavalier qui vient après. Si jamais tu es à l'aise, t'enlèves la fin de passé chat et tu fais le demi-tour avec le cavalier juste après en gainant un petit peu plus sur les bras. Salut à toi Yamak Tracer Freerunner. Aujourd'hui, on revient sur un mouvement que tu nous as demandé. Je recommence, j'ai oublié de dire c'est François.